par exemple du Venezuela, qui vont nous donner un chocolat très rond. Vous avez des fèves de République dominicaine qui sont plutôt fruitées, des fèves équatoriales où on a vraiment ce côté floral. Des matières premières, car tel est le cas, trouver des matières premières qui sortent de l'ordinaire, il faut que le planteur ait plaisir à remplir le conteneur et que nous ayons le plaisir de travailler sa matière. Et c'est un plaisir qu'il faut faire ressentir.